Yeah. Alors, première fois qu'on s'essaye à ce genre de vidéo. Aujourd'hui on fait un vlog, on va dire un daily vlog. C'est la première fois qu'on fait ça. Je fais attention que je marche, hein, un peu j'ai le soleil dans le visage, donc j'ai une tête bizarre. Donc là je suis juste avec les garçons, puisque Vincent n'est pas là ce week-end et que Zoé est avec une copine, enfin va traîner avec ses copines, parce que ce qu'on va faire là l'intéresse pas. Donc je suis juste avec les petits gars, qui sont là. Oui. Et donc on va où? À Pickwick Toys. C'est ça. Et du coup on y va en bus, puisque donc Vincent n'est pas là. Donc il est à la voiture et donc tu es sur la route là, tu te rends compte? Voilà, dans toute sa splendeur. The bug est 3 pixels. Et on a trouvé le bon arrêt de bus, du bon côté, du premier coup. Champion. En plus il est long. Nickel, parce que, alors je sais pas quel temps il fait ailleurs, mais sinon il fait encore super beau et c'est encore l'été quoi, il fait chaud. Bah c'était pas prévu du tout, on était en avance et j'avais deux petits machins qui faisaient j'ai faim. Et en plus le bus nous a déposé où? Voilà, donc on fait pause pour manger avant d'y aller. C'était pas prévu du tout, mais bon. Ils ont faim. Je vais pas faire ça, mais la mallette, elle a été fabriquée en 2007. Oui, d'un point, regardez sous sa mallette de Blade, oui. Bon, vous avez bien mangé? Oui. Bon, un petit peu de marche. Me caler pour de bon. Bon, un petit peu de marche, et puis bah, le Pickwick il est en bas de la rue. On est pas en retard, mais pas loin quand même, hein. On était en avance. Du coup, on est tout pile, quoi. Viennent nous chercher directement, ouais. Bon, ça va, c'est juste là-bas, en bas de la rue, ça on va. On dirait qu'on a une pierre de laine. Allez, go. Voilà, on arrive chez Pickwick. Vous êtes prêts? Ouais. Mon affiche m'a calé pour au moins une semaine de burger. D'habitude il prend des nuggets, alors c'est beaucoup pour lui à McFish. T'as ton flacon de oui. Noël. Allez, go, en avant. T'as ça? Oui. J'ai envie de accompagner de mon flacon. Les garçons ont tous les deux perdu en huitième de finale. Tu y arrives? C'est dur, le bout de... Ah c'est ça, le bout de tes doigts. Je sais pas où est Daryl. Les deux premiers relouent et après chacun aura un petit peu. C'est pas grand chose, mais bon. Bon, du coup, on fait un tour de Pickwick. Daryl est un peu déçu. Chérie, regarde-moi. T'es déçu. Ah, l'embête pas, là, il a pas envie qu'on l'embête, d'accord? Alors que moi, non. Il est un peu déçu. Lequel tu aimes bien alors? C'est lequel le prochain que tu veux? Bah, de Bakugan. C'est lequel que tu veux la prochaine fois? Oh, lui il est cool! Le qui? Lui? Ouais! Derrière c'est pas Cindéus. Non, c'est pas Cindéus. Il y est pas là, je crois, Cindéus. Il y a celui que. Il y est pas en ultra, le Fangzor? Si, nous on pas avec comme ça. Ah, bon, on va aller voir dans le rayon? On n'entend pas bien. Il chante. Voilà, on est sorti du Pickwick. On va aller prendre le bus. Il est un peu triste, oui. Il a un peu du mal à accepter d'avoir perdu. C'est pas grave, ça arrive. Alors que moi, c'est pour Bakugan, alors. C'est sûr quand on aura Bakugan, il est encore. On verra. C'est pas sûr. Oui, c'est Grim, le champion de Bakugan en titre au Pickwick. On est rentré chez nous. Oui. Après du bus, de la marche. Ouais. Bon, on est par contre. Qu'est-ce qui se passe? On est rentré. Zoé, elle a les clés. Elle est partie faire un tour dans un centre commercial avec une copine et sa maman. Donc on est. À la porte, bah tu vas me le donner, puis on va aller, tu vas les mettre à la poubelle après là-bas ou là-bas. On mettra ou à la maison, on verra. Je vais les mettre dans le sac.
N'appuie pas dessus quand tu perces, hein. Sinon, ça va finir sur le pantalon. Voilà, donc du coup, bah, on est passé au Lidl pour faire les petites courses pour ce soir. Bah, au passage, on s'est pris à boire pour se poser un peu ici à l'ombre, une espèce de petit espace qu'on a à côté de l'immeuble. Puis bah, on va attendre Zoé. Vous allez aller jouer en attendant. J'ai un spin basque dans mon téléphone si vous voulez. Oui, ils en profitent pour ouvrir leur bracelet qu'ils ont gagné au tournoi Beyblade. Et en plus, donc ce qui est bien, c'est que comme on sort du tournoi Beyblade, on a un lanceur et on a, attention, dans la coque de mon téléphone, ici, un spin basque, donc ils vont pouvoir s'amuser avec. Du coup, on va faire une petite démonstration de spin basque au passage ici. Ok ? Non, Grim qui joue au Pog. Toi, faut que tu regardes où il tombe. Et parce que Darrell vient de me le perdre dans l'herbe, sachant qu'il est vert. C'est le mien. On en a qu'un seul de cette couleur-là. On en avait qu'un seul dans le paquet de cette couleur-là. On en a un gros paquet à la maison, mais c'est le seul de cette couleur-là, de vert clair. Et Darrell a réussi à me le lancer dans les herbes vert clair. Donc on vient de passer 10 minutes à chercher. Vas-y. Tu le lances vers moi ? Ouais! Va jouer avec les pogs là. Ah, c'est quand tu vas dans l'herbe que ça te pique. Ouais, mais j'avais bien fait de prendre un livre. C'était pour patienter pendant le tournoi. J'ai bien fait de le prendre. Sans les garçons jouent tranquillement en pog. En attendant que Zoé rentre. Et qu'on puisse rentrer à la maison. Les garçons, ça va. Un jeu au Pog. Ils ont bu leur jus de pomme là. Voilà. Je vois que c'est les Pogs qu'ils ont mis au McDo tout à l'heure. Voilà que les garçons font des batailles de pissenlit. Pour des bastons et des pissenlits. il s'est retourné. Bon bah voilà, on est à la maison. On est rentré. Ils ont fait la guerre de pissenlit. Oui, ils ont fait une guerre de pissenlit en bas. Ils ont tout cracra là. Ouais. Ils ont les gens pleines de trucs collants, des grandes herbes dehors là. Zoé dit bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Hein, rapide passage. Donc c'était le premier daily vlog. C'était notre premier daily vlog. On verra si on en fait d'autres. De temps en temps, quand on fait des journées comme ça où on sort et où c'est pas la peine de faire une vidéo par exemple sur le tournoi de Beyblade. Mais c'est peut-être sympa de faire un vlog où on suit, genre quand on va à Pamplune ou des trucs comme ça. Ça peut être rigolo. Donc voilà. Ciao les petits potes. Ciao. Ciao. Tu pourrais te retourner. Ciao. Ciao.